Franchement, celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Ouais, l'appart est pas mal et tout, mais genre, regarde, l'agencement de la maison, les toilettes à l'entrée par exemple, tu rentres dans l'appart et tu te prends direct les odeurs cheloues. Impossible d'inviter des gens avec ça. Puis l'agencement est bizarre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et celui-là alors? Il y a deux chambres, c'est parfait. Tu ronfles trop fort la nuit, donc j'ai pas envie de dormir avec toi. Bah et toi alors, oh? Mais genre, regarde là, la hauteur sous plafond a l'air quand même assez basse. Toi, avec ta taille de lilliputien, ça va. Mais moi, je vais me cogner tout le temps dedans. Mais attends, je te l'ai déjà dit, j'ai pas encore fini ma croissance. Hey! Et celui-là alors? C'est pas mal. Non, mais t'as vu l'entrée du bâtiment? Il est beaucoup trop étroit et il n'y a même pas d'accès handicapé. Quand il va faire Bastien pour venir nous voir? Ouais, c'est vrai, tu marques un point. Mais à t'entendre, on pourra jamais trouver le bon appart. Et tu sais quoi? Je vais modéliser les plans de notre futur appart. Tu blagues, mais tu sais, moi je te vois grave dans l'architecture. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, ok, quand j'étais petit, j'aimais bien jouer avec des Legos, construire une maison et tout, mais... Mais c'est ton destin, mec. Tu connais la plateforme Funbook? Non, qu'est-ce que c'est? Attends, regarde, je vais te montrer. Tiens, regarde, il y a un MOOC qui s'appelle S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie. C'est un métier à la fois créatif et technique. C'est un métier très ouvert. On a beaucoup de contacts entre les clients, les entreprises. C'est assez créatif, il y a de toutes les matières, il y a vraiment, les études sont très intéressantes. Suivez ce MOOC, S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie. Ça pourrait grave t'intéresser. Il y a pas mal d'informations et ça pourrait t'aider pour t'orienter. Sérieux? Bah vas-y, t'as raison, je vais aller voir. En attendant, on devra rester dans le grenier de tes parents.